Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos. Je vais vous poser une question simple et j'attends de vous une réponse honnête. Est-ce que vous aimez les cours? Quand je dis ça, je veux pas dire juste aller en cours avec ses potes et se marrer et tout. Je veux dire, est-ce que vous aimez les cours que vos professeurs font? Non mais là, la vidéo est déjà réalisée, il fallait leur poser la question avant peut-être. Si je vous posais réellement cette question, tout le monde me répondrait très certainement « Oui, enfin les cours, c'est pas mal, ça dépend desquels, voilà, il y a des profs qui sont bien, il y en a qui sont moins bien, ouais, ça dépend des cours en fait. » Alors on va prendre un exemple que je connais bien, c'est Sciences Po Grenoble. En tant que Sciences Piste, si vous me demandez, je vais vous dire que c'est une très bonne université, les profs sont à un super niveau, les cours sont vraiment épanouissants. Bah oui, parce que si je disais du mal en fait de l'université, je nuirais à sa réputation. Et en nuisant à sa réputation, je nuirais à la mienne puisque j'en fais partie. Mais quand on y regarde d'un peu plus près, regardons par exemple les cours en amphithéâtre. Je veux dire, on est 300 dans la promo, donc il devrait y avoir à peu près 300 élèves qui suivent le cours. Mais quand on y regarde de plus près, des fois, il n'y a même pas 30 personnes. Et je sais que c'est comme ça dans beaucoup d'universités. Et même dans les TD où la présence est obligatoire, en fait, tu te rends compte qu'il y a quoi? Il y a un tiers qui est sur Facebook, un tiers qui parle entre eux, qui joue, qui regarde le plafond, un tiers qui font des structures en stabilo, tu sais, où tu mets la gomme en dessous pour stabiliser le tout. Et d'un autre côté, t'as les vidéos de Demos Kratos qui font plus de 5000 vues. Ah ok, en fait, t'as juste fait cette vidéo pour te la péter. Et je veux dire, c'est fou quand même, non? Et je suis étudiant en deuxième année. Je fais une vidéo et je touche plus de 5000 personnes. Alors que le prof, il est beaucoup plus qualifié que moi. Et il touche quoi, 30-40 personnes dans son groupe? C'est sur ce constat que j'ai eu envie de faire cette vidéo. Pourquoi YouTube arrive à regrouper des milliers de personnes autour d'un même sujet, alors que si on le traitait dans une classe, il n'intéresserait pas grand monde? Est-ce que YouTube est plus efficace pour transmettre le savoir? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je tiens à préciser que quand je parle de YouTube, je parle en général de la mise à disposition gratuite de vidéos sur Internet. YouTube a énormément de défauts et je pense même que c'est une des pires plateformes de partage de vidéos en ce qui concerne l'éducation. Mais bon, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Pourquoi ça marche sur YouTube? Comment ça se fait qu'un sujet qui peut paraître pas excitant s'il est présenté en classe, comme par exemple le surhumain de Nietzsche, devient quelque chose de très apprécié sur YouTube? On le voit bien, la vidéo de Danny Caligula sur le sujet, elle a fait 40 000 vues. Celle de Cyrus North, elle a fait 200 000 vues. Le truc, c'est que les YouTubeurs expliquent très bien. Alors que les professeurs, de leur côté, ils ont beau être très cultivés, globalement, ils sont nuls en pédagogie. Par exemple, combien d'entre vous, là, détestent la philo parce que leur prof n'a pas réussi à rendre intéressante la matière? Pour réussir, les youtubeurs ont besoin d'être clairs, d'expliquer de manière compréhensible pour tous, et surtout de rendre le sujet intéressant. Alors que pour un prof, il n'a pas besoin de savoir enseigner. Il a juste besoin de passer un examen qui valide un socle de connaissances. Si l'élève n'aime pas ce que le prof fait, il n'a pas réellement de solution, il est obligé de rester dans la classe, de se taire et d'écouter ce que le prof lui dit. Alors que si un youtubeur est mauvais, il fera pas de vues, il se développera pas. Et du coup, soit il arrêtera, soit il sera obligé de s'améliorer, de mieux expliquer, de rendre plus intéressant son sujet. Le deuxième avantage de YouTube, c'est que toutes les vidéos sont mises à la disposition de tous. Je veux dire, ça peut paraître bête dit comme ça, mais quand tu ouvres ton cours à une plus large audience, c'est normal qu'il y ait plus de monde qui vienne le suivre. L'éducation, c'est censé être universel. Alors pourquoi on continue à la garder dans des bâtiments pour quelques privilégiés qui ont passé des concours ou payé des frais d'inscription? À l'université, tu peux choisir tes cours ou tes options. Mais du coup, dès que tu en as choisi un, t'es bloqué pour tout le semestre, voire toute l'année. Avec le même professeur, donc espérons qu'il soit bien, avec le même cours, oui, espérons que la matière te plaise finalement. Parce que si ça se trouve, toi, t'avais juste envie de découvrir un peu. Comme je le disais avant, la grande crainte des étudiants, c'est de tomber sur un professeur qui est chiant. Et disons-le, ça arrive très souvent quand même. Au contraire, YouTube offre de la diversité. Tu peux regarder plusieurs vidéos sur le même sujet, ce qui permet d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs explications et des explications surtout qui sont complémentaires, qui vont axer sur des points différents. Parce que quand ton prof d'économie t'explique pendant 4 heures par semaine, au travers de formules mathématiques incompréhensibles, que l'économie, tu vois, ça peut se gérer tout seul en fait, parce que si Timmy il a 12 poires et 8 pommes, la contrainte budgétaire intertemporelle actualisée... Je comprends 100 fois mieux les concepts économiques quand c'est Usul ou Stupid Economics qui me les explique en vidéo. YouTube permet de sortir de notre discours institutionnalisé. Vous savez, là, ce discours qui vante les effets de notre économie, quand ton prof t'explique que « Mais oui, l'économie, en fait, ça se gère tout seul, regarde les formules mathématiques,
le libéralisme a vraiment tout compris, c'est comme ça qu'il faut gérer l'économie. Ou alors quand tes profs, ils t'expliquent que « Mais tu vois, Julien, on est en démocratie. Oui, oui, oui. Parce qu'on vote pour des gens qui décideront à notre place de tout ce qu'on doit faire. » Alors, je veux dire, c'est pas qu'ils sont cons, les profs. Hein. Ils comprennent quand même qu'on n'est pas en démocratie, pour la plupart. Quand tu vas prendre une bière avec eux après les cours, ils te disent que oui, ils sont d'accord, on n'est pas vraiment en démocratie. Mais ils le disent pas en cours. Pourquoi ? Parce que bah, déjà, c'est pas vraiment au programme. Et puis ensuite, c'est considéré comme une position politique de dire ça. Or, le professeur doit être neutre. Mais si ça se trouve, c'est faux ce qu'ils disent dans leurs vidéos, les youtubeurs. C'est pas des professeurs. Pour répondre à ça, je vais utiliser le même argument que pour Wikipédia. Déjà, personne n'a raison. À une époque, les scientifiques disaient que la Terre était plate. Et tout le monde le croyait parce que bah, c'est des scientifiques, on remet pas en cause, ils sont plus qualifiés que nous. Alors qu'aujourd'hui, Wikipédia, bah, on le remet en cause. On va chercher sur d'autres sources pour vérifier si c'est juste. On fait un travail actif de renseignement. Quand un youtubeur dit quelque chose, dans sa description, il met des sources. Donc c'est à vous de faire le travail d'aller vérifier dans les sources si ce qu'il dit est vrai. Alors que quand un prof dit quelque chose, il faut surtout pas le remettre en cause. Attention, lui c'est le maître, nous c'est les élèves. Hein. On accepte tout ce qu'il dit sans aucun sens critique. On passe d'un système vertical, où le maître donne à ses élèves des connaissances qu'il ne faut pas remettre en cause, à un système horizontal, où justement chacun va chercher ses propres connaissances, les construire au travers de sources différentes, et surtout remettre en cause systématiquement tout ce qu'il sait, et réapprendre. Je pense très sincèrement qu'un cours de 2 heures peut être mieux expliqué en 20 minutes. Et ça tombe bien parce que le cerveau est à 100% de ses capacités que les 20 premières minutes. Après, chaque minute, la tension baisse si l'élève n'a pas fait une pause. 2 heures en 20 minutes? Non mais là t'as craqué, c'est pas possible. On va faire un petit calcul rapide. Déjà, sur les 2 heures, t'enlèves 10 minutes. Le temps du début du cours, quand le prof arrive un peu en retard, qu'on attend le silence, qu'on démarre le cours très doucement, etc. Ensuite, t'enlèves les 15 minutes d'intercours. Genre quand on fait une pause entre les 2 heures, voilà. Ensuite, t'enlèves 20 minutes, le temps que le prof réponde aux questions à gauche, à droite. Ensuite, t'enlèves encore 15 minutes, le temps que le prof réexplique un truc, parce qu'il sent lui-même qu'il a mal expliqué ce qu'il a dit, que personne ne comprend dans la salle, et du coup, il répète, et t'as toujours pas compris. Donc voilà, déjà avec mon petit calcul, j'enlève 1 heure. Et sur l'heure qui reste, compte le nombre de fois où le prof va se répéter. Compte le nombre de fois où il va raconter des trucs que personne ne comprend, ou des trucs inutiles. Je veux dire, moi, en 1 heure, je peux lire 50 pages d'un bouquin qui approfondit beaucoup plus le sujet que ce que le prof fait. Si tu écris bien ta vidéo, en 20 minutes, tu peux expliquer ce qu'un prof a dit en 2 heures de cours. J'en suis persuadé. En plus, tu peux mettre des animations, tu peux mettre d'autres petites vidéos, tu peux mettre de l'infographie. Enfin, il y a plein de trucs qui permettent de mieux comprendre un sujet. Parce que je veux dire, les profs, ok, on a compris que vous savez utiliser un PowerPoint, mais ça ne nous aide pas à forcément mieux comprendre. On a surtout envie de recopier ce qui est écrit sur le PowerPoint pour avoir un minimum à réviser tellement on comprend rien à votre cours. Tu veux vraiment laisser tomber l'école? Que tout le monde reste chez soi, derrière son écran d'ordinateur? Bien évidemment que non, et je vais d'ailleurs développer tout ça dans une grande conclusion. Vous l'aurez très certainement compris, je suis un fervent défenseur de l'apprentissage par Internet et un fervent critique de l'école. D'ailleurs, je pense que la majorité des connaissances que j'ai aujourd'hui, je les ai acquises sur Internet, et pas par mes professeurs. Même si, attention, j'ai eu des bons professeurs. Pourquoi ? Bah déjà parce que j'ai regardé des centaines de vidéos. En plus, je les ai toutes regardées 2-3 fois, parce qu'elles étaient tellement agréables à regarder que voilà, ça reste comme un bon souvenir dans ma tête. C'est pas comme quand j'étais en classe et que le prof racontait un truc chiant et que je faisais des pyramides de Stabilo. Ah ok, du coup c'est toi qui faisais ça en fait. Mais attention, les youtubeurs ne remplaceront jamais les professeurs. C'est plutôt les professeurs qui doivent devenir des youtubeurs. Certains professeurs sont déjà des youtubeurs. Regardez la chaîne Hacking Social. C'est un prof de philo qui fait ça. D'ailleurs, il se masque pour éviter que ses élèves le reconnaissent. Mais voilà, donc ils sont déjà là. Là où je veux en venir, c'est que la vidéo mise à la disposition de tous sur Internet est une forme d'éducation beaucoup plus intéressante. Pour résumer ce que j'ai dit précédemment, YouTube permet de choisir la personne qui explique le mieux, d'avoir accès à plus de contenu, d'avoir différentes sources et idées, de développer son esprit critique et de mieux retenir les informations. Mais le modèle d'éducation n'exclut pas les professeurs, attention. Ce qu'il faudrait justement, c'est une formation et une aide matérielle pour que les professeurs puissent réaliser de belles vidéos. On aurait d'un côté un mode de transmission du savoir qui serait beaucoup plus efficace, et de l'autre, des professionnels qui viendraient l'alimenter. On voit par exemple se développer des chaînes YouTube où les professeurs synthétisent leurs cours en vidéo. Par exemple, moi j'ai révisé 80% de mon bac avec la chaîne Révision Bac, et j'ai eu 17 sur 20, donc ça marche pour avoir les bases.
Parce que oui, les cours institutionnels, ça a quand même l'avantage de poser les bases. Parce que généralement, sur YouTube, ben, c'est souvent des sujets marginaux ou trop spécifiques. Donc ce qui serait bien, c'est que voilà, tous les profs se réunissent sur une chaîne YouTube et fassent des vidéos où ils posent les bases. On aurait ainsi une éducation en deux étapes. Tout d'abord, on va voir les bases avec les vidéos des professeurs, et puis ensuite, on passe aux vidéos d'Usul, où on apprend à critiquer tout ce qu'ils nous ont appris et à approfondir le sujet. Alors, je mettrai quand même une petite critique aux professeurs qui font des vidéos sur Internet, notamment Révision Bac, hein, c'est que tu sens quand même qu'ils sont pas très à l'aise. Hein. Ils parlent comme s'ils parlaient à une salle de classe, ils utilisent encore leur vieux PowerPoint à côté, voilà. Mais imaginez maintenant si dans leur formation, ben, ils avaient une formation audiovisuelle, où ils apprenaient à synthétiser, à rendre leur cours attractif, ludique. Mais du coup, si on apprend tout sur les vidéos, on fait comment si on a une question? On lâche un com, on met un dislike? Ce système ne doit bien évidemment pas remplacer totalement les cours, parce que c'est là-bas où on va socialiser, se faire des potes. Mais bon, on peut le dire, les cours en amphi, il faut arrêter. C'est inutile. Par contre, on pourrait les modifier, en faire des sessions de questions-réponses, où les élèves viendraient poser des questions aux professeurs pour approfondir ce qu'ils ont vu dans les vidéos, ou carrément proposer d'autres vidéos, d'autres idées, d'autres sujets. Ce serait beaucoup plus productif. L'élève, chez lui, il regarde la vidéo de 20 minutes, hop, il a les bases. Il regarde dans la description des trucs à lire pour approfondir. Et ensuite, il vient en cours, session question-réponse. Il peut carrément développer le sujet, beaucoup plus que dans un cours de 2 heures. On atteint même un niveau d'éducation supérieur, puisqu'il ne s'agit plus de transmettre des connaissances de base. C'est les vidéos qui le font. Justement, les cours, maintenant, ils sont là pour approfondir, s'entraîner, faire des cas pratiques, pendant des TD, par exemple. Mais attention pour les TD, on va arrêter la connerie de « chaque groupe fait un exposé ». Non. Je veux dire, si l'élève, il n'écoute pas déjà le prof, il va pas écouter un élève qui explique encore moins bien que le prof. Sérieusement, on a tous fait notre exposé sérieusement, et les exposés des autres, on les a écoutés vaguement, encore moins que si c'était le prof qui expliquait. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'en ferai très certainement une autre autour du même sujet pour approfondir un peu l'idée de l'éducation populaire sur Internet, parce que je pense que c'est très important. Donc voilà, n'oubliez pas de lire la description, de laisser un commentaire, et à dans 2 semaines. Vous pouvez regarder d'autres vidéos juste ici et vous abonner juste là. Et puis si vous pouvez laisser un pouce en l'air et partager la vidéo, ça fera grandement grandir la chaîne. N'oubliez pas non plus que dans la description de la vidéo, je mets toujours toutes mes sources. Voilà, je crois que j'ai tout dit, alors je vous dis à la prochaine !